Dans l'antique salle du conseil de l'hôtel de ville de Buxwiller, un buste attire le regard. Et on va de surprise en surprise lorsqu'on apprend qu'il en existe un double, trônant dans la salle d'honneur de l'université de Vilnius. C'est à l'initiative du Cercle d'Histoire Alsace-Lituanie que la sculpture fut offerte à Buxwiller en 2016. Par ce geste, le Cercle entendait rappeler le souvenir d'un enfant du pays, parti à 17 ans pour une carrière universitaire et scientifique qui le classera parmi les plus grands savants naturalistes de son temps. Célébré tant à Vilnius qu'à Saint-Pétersbourg, Vienne ou Berlin. Voici donc Louis-Henri Boyanus, né en 1776 et décédé en 1827. Heinrich Ludwig, pour les germanophones, Ludvikas Henrikas en lituanien, que nous allons suivre au fil de sa vie, étape par étape. C'est en effet en Alsace, à Buxwiller, que Boyanus est né le 16 juillet 1776. Les archives de la ville conservent précieusement l'acte de naissance de ce personnage historique. Sa maison natale existe toujours. À cette époque, la ville est la capitale du comté de Hanau-Lichtenberg, une seigneurie de près de 65 000 habitants, située dans le nord de l'Alsace et empiétant sur la Lorraine-Mosellane. Le Palatinat est la rive droite du Rhin. C'est le plus important comté d'Alsace, avec 12 bailliages et 7 villes. Le comte Jean-René III donna un lustre princier à sa résidence seigneuriale en restaurant le château de Buxwiller dans le style Renaissance et en aménageant un jardin dans l'air du temps avec orangers et plantes exotiques qui firent l'admiration des hôtes prestigieux de ce petit Versailles. Lors de la régence de la landgravine Caroline, celle-ci entretient à Buxwiller une véritable petite cour et reçut des philosophes et écrivains marquants comme Goethe ou Herder. Précisons le statut du comté à l'époque. Depuis 1680, date de la réunion des seigneuries d'Alsace à la France, les comtes de Hanau-Lichtenberg étaient devenus vassaux du roi de France, mais restaient ressortissants du Saint-Empire romain germanique pour deux de leurs bailliages, situés l'un dans le Palatinat et l'autre outre-Rhin. Bien que le comté soit principalement situé en France, son lien avec le Saint-Empire se renforça à partir de 1736, avec le changement de dynastie et l'arrivée par mariage des Landgraves de Hesse-Darmstadt à la tête du comté. À sa naissance, Boyanus fut donc en même temps sujet de son souverain, le roi de France, et sujet de son seigneur, qui était à la fois Landgrave de Hesse-Darmstadt et comte de Hanau-Lichtenberg. Ce statut n'était pas une exception dans l'Europe du XVIIIe siècle et expliquera en partie son attachement à des valeurs universelles. La famille Boyanus gravitait autour de ses princes. Déjà à la fin du XVIIe siècle, l'arrière-grand-père avait dirigé le gymnase, qui faisait la fierté de la ville et attirait de loin des élèves, tel le futur explorateur Georg Heinrich von Langsdorff. Sa mère, Maria Eleonore Magdalena, née Krommayer, était la fille du receveur général du comté. Son père, Jean-Jacques, assurait les fonctions de greffier en chef de la chambre forestière du comté. La famille appartenait ainsi à cette bourgeoisie administrative, peu fortunée mais instruite, évidemment de confession luthérienne, à l'image de la famille régnante. Dans le cercle familial étaient martelées les valeurs du travail, de la valorisation du savoir et de l'indifférence pour les mondanités ou la vie luxueuse. Dès ses premières années, Boyanus montra un grand talent de dessinateur, au point que son père réfléchit même au choix d'une profession artistique pour son fils. Plus tard, ses dessins faits à main levée à la craie sur le tableau noir durant les cours qu'il donna à l'université de Vilnius se distinguèrent par la précision et la beauté des détails. Ce talent lui sera un formidable atout dans sa carrière scientifique. À l'emplacement de Buxwiller s'étendait en effet, il y a 50 millions d'années, au début de l'Éocène, un grand lac tropical dont les restes fossilisés de la faune commencèrent à effleurer aux abords de la ville. Buxwiller connut ses jours de gloire comme un haut lieu de la paléontologie lorsque Georges Cuvier, contemporain de Boyanus, vint étudier ses fossiles de mammifères, reptiles et gastéropodes dans les carrières des alentours. Goethe y fit également un séjour en 1770-1771, pour la même raison,
ainsi que plusieurs générations de naturalistes alsaciens, parmi lesquels Jean Hermann, le directeur du Jardin botanique de Strasbourg, qui donna son nom à une espèce de tortue, et Guillaume-Philippe Schimper, conservateur du Musée d'histoire naturelle de Strasbourg et initiateur de la magistrale bryologie de l'Europe. En hommage à la ville, une espèce de mammifère herbivore, proche des actuels tapirs et dont les fossiles ont été découverts sur le site, est nommée le Lophidon buxovillanum. De nos jours, le sentier géologique du Bastberg, la colline qui surplombe Buxwiller, permet de découvrir ces roches et fossiles le long d'un itinéraire balisé. C'est dans un environnement propice à l'éveil d'une vocation de naturaliste que Boianus passa sa jeunesse. Boianus avait 13 ans en 1789 quand éclata la Révolution française et que des troubles secouèrent Buxwiller et le comté. Le Landgrave, rapidement dépossédé de la plupart de ses fiefs alsaciens, transféra en 1790 sa résidence comtale à Darmstadt, après avoir demandé au père de Boianus de rester sur place et l'avoir nommé receveur général de ses derniers biens comtaux. Cependant, lors de la terreur de 1793, le père se réfugia avec toute sa famille sur la rive droite du Rhin, puis à Darmstadt, où le Landgrave lui propose un poste de conseiller à la cour des comtes de Hesse. La période révolutionnaire traumatisa cependant le jeune homme, qui en gardera toute sa vie une aversion. Par ailleurs, la sœur de Boianus, Louise Frédéric, s'agrégera du patriciat local en épousant un juriste de la ville. Elle devint ainsi la grand-mère de l'épouse de Louis Merck, le pharmacien de la ville qui transforma son échoppe d'apothicaire en une unité de fabrication de médicaments et figure ainsi fortuitement parmi les aïeuls de la famille fondatrice de la maison Merck, devenu un des plus grands groupes pharmaceutiques européens. Présent aussi aujourd'hui en Alsace par une usine à Molsheim, le groupe est toujours dirigé par la famille et a gardé son siège à Darmstadt. Le jeune acheva sa scolarité à Darmstadt et son cursus académique se fit alors entièrement au sein du Saint-Empire. Grâce à une bourse du Landgrave, il put entamer des études de médecine à la prestigieuse université d'Iéna, où il obtint son doctorat de médecine et de chirurgie en 1797. Il poursuivit sa formation en se spécialisant en arts vétérinaires à l'université de Vienne, où il fit connaissance de la fille d'un pasteur de Copenhague, Wilhelmine Rose, qu'il épousa. À Vienne, Boianus compta parmi les fidèles disciples de Franz Joseph Gall, médecin formé à l'université de Strasbourg et fondateur de la phrénologie. Il y suivit également les cours de Jean-Pierre Franck, médecin hygiéniste également formé à l'université de Strasbourg et un des fondateurs de la santé publique et de la médecine sociale, qu'il retrouvera à Vilnius avec son fils Joseph Franck, également médecin et professeur d'université. À son retour à Darmstadt en 1798, Boianus bénéficia d'une bourse du Landgraf pour faire un tour des principales écoles vétérinaires déjà existantes en Europe. Le Landgraf apporta en effet son soutien financier pour ce voyage d'études qui s'inscrivait dans la tradition courante au XVIIIe et XIXe siècle des grands tours. Notons que l'actuel programme Erasmus, qui permet aux étudiants de compléter leurs études dans des universités d'autres pays de l'Union européenne, s'est en partie inspiré de cette pratique. Entre 1801 et 1803, Boianus visita les plus célèbres écoles vétérinaires d'Europe. Il suivit des cours et étudia à Paris, Alfort, Lyon, Londres, Hanovre, Berlin, Dresde, Vienne et Copenhague. Il visita aussi des haras en Hongrie. Boianus fut un des premiers à faire le tour des établissements où l'on pratique cette science en Europe. Boianus fit ainsi connaissance avec la majorité des grands noms de la médecine vétérinaire naissante, Georges Cuvier à Paris, William Woolcroft et Edward Coleman à Londres, August Conrad Havemann à Hanovre, Hieronymus Waldinger, Ignaz Josef Pessina et Gottfried Ubald Fechner à Vienne. L'expérience recueillie auprès des écoles vétérinaires visitées lui inspira alors la rédaction d'un ouvrage, Über den Zweck und die Organisation der Tierreichsschulen, de l'usage et de l'organisation des écoles vétérinaires, qui lui apporta une grande notoriété.
Au même moment, l'Université de Vilnius organisa un concours pour le recrutement du titulaire de sa nouvelle chaire de médecine vétérinaire. Bojanus postula et le conseil de l'université retint sa candidature. Bojanus avait la chance d'être recruté par l'Université de Vilnius, à l'époque la plus grande, plus importante université de l'Empire russe. Bojanus était embauché pour s'occuper de ce qu'on appelait à l'époque peste bovine. Il faut se souvenir que c'était juste après la guerre napoléonienne, il y avait vraiment une pandémie parmi les animaux, parmi les bœufs, parmi les chevaux, et c'était un important problème économique. Aujourd'hui, Vilnius est une ville de près de 600 000 habitants et est la capitale de la Lituanie indépendante. Quand Bojanus y arriva en mai 1806 avec son épouse, la ville comptait 35 000 habitants et était annexée à l'Empire tsariste depuis le troisième partage de la Pologne-Lituanie en 1795. Plus aucun souverain ne résidait en ses murs. Vilnius. Elle constituait une étape pour les voyageurs occidentaux en route vers Saint-Pétersbourg, alors capitale impériale de la Russie. Si Vilnius bénéficiait alors d'un réel rayonnement, c'était sans conteste grâce à son université. C'était elle, créée en 1579, à l'époque de la République des Deux Nations, fermée en 1795 au moment de l'annexion russe et refondée en 1803 en tant qu'institution impériale par le tsar Alexandre Ier qui en devient le cœur. Elle fut la première des cinq universités de l'Empire en nombre d'étudiants, avant celle de Dorpat-Tartu et de Moscou. Elle comptait 350 étudiants en 1806. À l'arrivée de Bojanus, et plus de 800 en 1824 à son départ. Toutes les écoles de Lituanie, de Biélorussie, de la Pologne orientale et de l'Ukraine centrale relevaient d'elle. Durant toutes les années où exerça Bojanus, de 1806 à 1824, la fonction de curateur et de protecteur de l'université était assurée par un ami des lettres, le prince polonais Adam Jerzy Czartoryski. C'était donc un environnement particulièrement favorable à l'enseignement et à la recherche que trouva Bojanus à Vilnius. C'est d'ailleurs à cause du doublement du nombre de chaires qu'engendra la réforme de 1803 que de nombreux universitaires de Prusse, de Rhénanie, d'Autriche, d'Italie, d'Angleterre et de France furent invités à y enseigner. Y figuraient notamment Joseph Frank, professeur de la médecine déjà citée, dont l'épouse cantatrice Christiane Gerhardi, également originaire de Buxwiller, apporta un éclat tout particulier à la vie culturelle de la ville. Bojanus compta, quant à lui, parmi les professeurs dont l'apport scientifique était des plus importants. C'est aussi à Vilnius que Bojanus passe la plus importante partie de sa carrière. Le parcours universitaire de Bojanus, en tant que professeur de médecine vétérinaire, commença en 1806 à son arrivée à Vilnius. C'était l'époque de grandes épidémies qui ravageait les troupeaux d'animaux domestiques. Les déplacements de chevaux et de bovins durant les guerres incessantes de la Révolution et de l'Empire à travers toute l'Europe avaient encore aggravé cette situation. C'est dans ce contexte que prit naissance la science vétérinaire moderne. Bien que les savants s'intéressant aux maladies des bêtes, comme on disait à l'époque, étaient encore très peu nombreux. Le mérite de Bojanus dans ce domaine fut de diriger la première chaire de médecine vétérinaire dans cette partie de l'Europe et d'être l'auteur de nombreux travaux scientifiques pionniers en la matière. Bojanus fut par ailleurs le premier à enseigner l'anatomie comparée dans cette partie de l'Europe. Ses mérites furent autant ceux d'un pédagogue qui forma toute une génération de naturalistes que ceux d'un chercheur qui constitua de remarquables collections et publia beaucoup. Bojanus de Pogi era parašęs stambių veikalų apie arklius ir arklių pandemijas, apie kirmėlės ir kitus parazitus. Jis buvo įskruodęs ir preparavęs apie 600 avių ir buvo parašęs stambą veikalą, kuris liko rankraščio formoj ir dabar yra dingęs. Bojanus étudia l'anatomie tant des vertébrés que des invertébrés. Divers mammifères, reptiles, dont cistudes, vers intestinaux, sangsues, mollusques, écrevisses.
o kur kiti darbai, sakykime, moliuskų, tas šalinimo organas, kuris šiandien vadinamas Bojanaus organu, irgi ilgą laiką buvo mislė, kas čia, jisai ją išsprendė. Dans ses travaux, Boyanus attachait une grande importance à l'illustration. Il prit soin que ses dessins soient non seulement précis, mais aussi artistiques. Il voulait que l'iconographie soit toujours à la hauteur du texte. Son chef-d'œuvre reste cependant incontestablement Anatome Testudinis Europaea. Ce fut un véritable exploit technique et scientifique. L'ouvrage contient 40 planches et 213 illustrations qui détaillent l'anatomie de la cistude d'Europe. Boyanus consacra une décennie à ce projet. Il disséqua environ 500 tortues. Toutes les techniques anatomiques connues à l'époque furent utilisées. Macération, ébullition dans différents solvants, injection de colorants, coloration avec du mercure et de la gélatine, etc. Jis sugalvojo, kad jam reikalinga moderniausia spauda. Tuo metu nesenai, prieš keletą metų, buvo išrasta litografija. Ir jis atsikvietė iš Prancūzijos litografą, kuris įsteigė spaustuvę Vilniuje, spausdino jo knygą, nors žinoma, spaustuvė galėjo funkcionuoti kaip spaustuvė miesto reikmėm. Anatome Testudinis Europaea est devenu un grand classique de l'anatomie animale. Jinai buvo dedikuota žymiam prancūzų gamtos mokslininkui Georges Cuvier. Ir pats Cuvier sakė apie šitą veikalą, kad jis yra nuostabus, apie jokį gyvūną nebus parašyta geriau. Piotr Dashkevich et Philippe Edel ont récemment tenté de repérer les bibliothèques et musées qui en conservent toujours précieusement un exemplaire de l'édition originale de 1819. Ils en ont localisé près de 60, éparpillés à travers toute l'Europe ainsi qu'en Amérique du Nord. Kitas svarus įnašas tai buvo jo įrodymas, kad tauras ir stumbras yra dvi skirtingos rūšis. Jis tai padarė studijuodamas to Belovežo stumbrus, kurie buvo padovanoti Vilniaus universitetui caro Aleksandro. Les deux espèces intéressaient les scientifiques à plusieurs titres. Il s'agissait d'abord des deux plus grands mammifères terrestres d'Europe, dont l'un était à l'origine de toutes les races de nos vaches. La méconnaissance de ces espèces et la pauvreté des spécimens dans la collection étaient grandes à l'époque. Durant les deux décennies passées à Vilnius, Boyanus contribua considérablement au rayonnement de l'université impériale et au prestige du pays. Il noua des liens étroits avec les autres naturalistes européens et fut appelé à devenir membre de nombreuses académies et sociétés savantes en Europe, telles l'Académie Léopoldina de Halle, la Société des observateurs de l'homme à Paris, l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, la Société royale vétérinaire de Copenhague, la Société wernerienne d'histoire naturelle à Édimbourg, l'Académie vétérinaire de Stockholm, la Société impériale des naturalistes de Moscou, ou encore la Société médico-chirurgicale de Berlin. Boyanus resta fidèle à l'Université de Vilnius. Il refusa le pont d'or que lui proposa le roi de Prusse en 1818 pour venir diriger et enseigner à l'école vétérinaire de Berlin. Pour récompenser ses mérites et sa loyauté, le tsar Alexandre l'anoblit en lui remettant la croix de l'ordre de Sainte-Anne ainsi que le titre de chevalier. Au début des années 1820, le savant fut lui-même élevé au rang de conseiller d'État et reçut du souverain une seconde distinction pour mérite personnel qui lui conféra la noblesse héréditaire. Dans son testament, cependant, il demanda que ces deux décorations russes soient renvoyées à l'université. Boyanus est nommé recteur de l'université en 1822. Il refusa le poste, étant en désaccord avec les nouvelles orientations du pouvoir tsariste visant à étouffer l'autonomie universitaire. Apprécié malgré tout par Alexandre pour sa droiture, il était aussi reconnu par ses pairs et par les étudiants pour son attitude exemplaire envers l'université, notamment dans l'affaire des Philomates. Lietuvoje vyko filomatų, filaretų judėjimai. Tai jaunimas bruzdėjo, prieš carinę Rusiją, niekas nebenorėjo būti pavergti. Ir carinė Rusija. Nu, tuo metu ryškiausias asmenybės Adomas Mickevičius nukentėjo, Ignotas Domeika, žymiausias pasaulio lygio, tapo vėliau
geologų emigravo. Ir, o kiti studentai irgi buvo persekiojami. Ir Bojanos, kaip toks universiteto žinomas profesorius, buvo paskirtas tokios tyrimo grupės vadovų, reiškia, kurie turėjo nustatyti, ką čia tie studentai blogo pridarė ir kaip juos nubausti. O baudos buvo iki tokios, kad 25 metam į rekrūtus į armiją paimti. 25 metam, tai jaunuolių visas gyvenimas, kaip sako praeitų. Ir jis sugebėjo tą bylą nagrinėjant pasukti taip, kad dalis tų studentų diduma buvo išteisinti. Des problèmes de santé, principalement liés à ses travaux en laboratoire, commencèrent à le faire souffrir. L'université l'autorisa, en 1824, à partir se soigner auprès de la famille de sa sœur restée à Darmstadt. Il y décéda 3 ans plus tard, à l'âge de 51 ans. À sa mort, son testament révéla un autre domaine d'intérêt du savant, l'existence d'une importante collection minéralogique personnelle. Le testament révéla aussi une autre surprise. Bojanus avait acquis à Vilnius, vers 1810, auprès de Karol Hermann de Perth, le gendre du célèbre Bernardo Bellotto, un lot de 80 dessins du peintre vénitien. Ce dernier, avec son beau-père Canaletto, dont il était également l'élève, fut un des maîtres de l'école vénitienne du Veduta. Cette technique, qui s'apparentait à la scénographie, l'artiste mettant en scène une vue extérieure, intéressa hautement Bojanus car elle apportait des solutions à ses recherches de perspective et d'optique. La collection Bellotto de Bojanus fut acquise en 1829 par le musée d'État de Hesse à Darmstadt, qui possède ainsi aujourd'hui la plus grande collection au monde de dessins de l'artiste vénitien. À l'occasion du 300e anniversaire de la naissance du peintre, le musée lui consacra une grande exposition presque entièrement basée sur le fonds Bojanus. C'est en Lituanie, où il passa l'essentiel de sa vie académique, qu'il laissa le plus de traces. À l'université de Vilnius, la plaque en marbre a son nom dans la cour d'honneur, son buste dans la prestigieuse petite aula et son effigie en fresque sur une voûte de la librairie académique Litera marquent sa présence passée. Le musée national expose son portrait dans la galerie des grands hommes du 19e siècle. De nombreux objets, médailles commémoratives, enveloppes philatéliques, calendriers de poche, bus en cristal, ont été réalisés durant les dernières décennies afin de lui rendre hommage. S'il est naturel que Bojanus soit toujours honoré en Lituanie, on ne peut que se réjouir de voir son retour en pleine lumière dans son pays natal, 2 siècles après sa mort. Cet homme, du tournant du 18e et 19e siècle, étonnamment, nous démontre cette incroyable force des pays européens dans leur partage d'expériences et de réussites qu'il a su mettre en valeur. C'est pourquoi son nom continue aujourd'hui à être cité et célébré comme un des précurseurs des sciences de la vie dans des publications académiques ou de vulgarisation à travers le monde.